Les travailleurs n'attendent pas d'un ministre socialiste qu'il vienne imposer un blocage salarial. Monsieur le ministre, vous êtes l'homme du blocage salarial, l'homme des 0,4%. Vous avez proposé mardi au Conseil des ministres que votre gouvernement vote un arrêté royal pour fixer, je cite, la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les deux prochaines années à 0,4%. Vous comprendrez que j'étais pas seulement étonnée, mais en colère que vous imposez 0,4% pour les deux années qui viennent. D'autant que le président de votre parti avait assuré que vous ne voteriez pas cet arrêté royal sans qu'il y ait eu un accord social entre patrons et syndicats. Et aujourd'hui, cet accord n'est pas sur la table. Les syndicats sont en train d'organiser une consultation à la base. Vous dites tout le temps que vous voulez respecter la concertation sociale, mais en fait, je ne sais pas comment est-ce que vous voyez cette concertation sociale. Vous décidez d'imposer un arrêté royal alors qu'on est en train de consulter la base des travailleurs. Mais peut-être que vous avez peur de cette base. Parce qu'en fait, moi j'ai des retours de terrain et je sais que les gens ne sont pas d'accord avec ça. Et une consultation à la base, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. Moi, comme syndicaliste, j'ai connu ça. C'est un processus démocratique qui prend du temps dans un pays comme la Belgique. Alors j'ai deux questions à vous poser. Un, pourquoi avez-vous décidé d'adopter en première lecture cet arrêté royal alors que la concertation sociale n'est pas terminée? Et deux, pouvez-vous nous confirmer ici que si la base syndicale ne marque pas son accord, vous n'allez pas signer cet arrêté royal en deuxième lecture? Je suis, comme d'autres, aux côtés de celles et ceux qui demandent la révision de cette loi 96 qui encadre l'évolution des salaires. Mais je dois bien constater aujourd'hui que les conditions politiques pour y parvenir ne sont pas réunies. Ce n'est pas parce que je viens ici devant vous avec un costume et une cravate que j'oublie qui je suis et d'où je viens. Je n'oublie pas que je n'ai connu aucun de mes deux grands-pères, l'un cheminot et l'autre facteur, parce qu'ils sont morts fatigués par des conditions de travail difficiles à 59 et 51 ans. Monsieur le ministre, vous ne répondez pas à mes questions. Donc j'avais deux questions à vous poser. Je commencerai par la deuxième. Votre président de parti a dit que vous n'alliez pas signer un arrêté royal s'il n'y avait pas d'accord entre patrons et syndicats. Cet accord n'est pas là. Pourquoi l'avez-vous signé malgré votre cravate et malgré le respect que j'ai pour vos grands-pères? Les travailleurs n'attendent pas d'un ministre socialiste qu'il vienne imposer un blocage salarial dans un gouvernement Vivaldi où vous avez aussi le MR qui est avec vous. Et vous ne vous imposez pas comme homme de gauche que vous prétendez être. Concernant les avancées, nous sommes le parti qui soutenons toutes les avancées sociales que les travailleurs ont obtenues dans la lutte. Vous parlez du salaire minimum. Hier, j'ai eu Erika en ligne, titre service. Elle était dégoûtée. Dans le préaccord, le salaire minimum, elle n'aura même pas droit à cette augmentation parce que son salaire minimum n'est pas encore assez bas pour obtenir ce salaire minimum. Cet homme qui va avoir sa prépension à 60 ans. Avant que vous soyez là, c'était 59 ans. Vous comprenez? Donc vos avances, elles ne sont pas correctes et surtout, vous devez respecter la concertation sociale et attendre la fin du processus démocratique syndical. Et je vous demande encore de ne pas revoter cet arrêté royal.